Et yop tout le monde, c'est Mercet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon téléphone. Comme d'habitude, on se dit un bonjour pour une ouverture Marvel. Comme d'habitude, je bégaye en début de mes vidéos. Voilà, je suis pas coiffé d'ailleurs, j'arrive pas à épiner ça, regardez-moi ça frère. C'est horrible, c'est la coiffeuse, elle m'avait raté, c'est obligé. C'était nouvelle hein, du coup, ouais, il faudrait que je me coiffe, n'hésitez pas à me noter hein, sur... Ouais, regardez-moi ça, ces cheveux frère qui... Ça va vous? Je suis un crabe de cheveux, mon pote. Bref, on n'est pas là pour parler capillaire. On est là pour s'ouvrir de nouveau 10 pochettes comme ça. Bon, j'en ai encore 2 à côté là, mais bon, je vais pas en ouvrir 12. Je vais en faire que 10, ok? J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. En fait, ils traînent à côté, j'ai envie de les faire, tu vois. Je sais que j'en ai ouvert à peine lundi, et là on est vendredi. Jeudi? Non, on est vendredi. Je sais plus on est quel jour. Bref. Et du coup, j'ai envie de les ouvrir, tu vois. Même les foot, hein. Il y a 2 pochettes à côté, j'ai envie de les faire, tu vois. Donc vas-y, je vais vous les montrer par 2, du coup. J'ai pas eu de commentaire, pourquoi? Oh, il y en a un qui est pas mal, là. On va commencer par le duo de filles, là. Le numéro 30, 92 et 60. Donc, Black Widow et Valkyrie. Je vous les montre, hein. Je vous les montre comme ça. Assez sympa. Après, on enchaîne sur un Thor 57, numéro 57, et un Ego 88. Le Ego, il est vraiment sympa. Le Ego, il est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous le voyez bien là. Et le Thor qui est un peu brillant. Franchement, sympathique pour cette première pochette. On enchaîne directement avec une deuxième pochette. Du coup, avec. Aïe, putain, je l'ai un peu mal ouvert. Ok. Avec. Ok, on va se commencer par la droite. Avec un petit Loki numéro 40 et Shuri numéro 12. Donc Shuri, je sais que je l'ai, mais Loki, je crois que je ne l'ai pas. Donc Loki ici, avec la petite Shuri à droite. Pas mal. Et sur la deuxième pochette, donc un doublon avec le Black Panther Intelligence plus 3, le numéro 108. Et un petit Docteur Octopus, le numéro 68, comme ma région. 68 ici. Voilà. Plutôt sympa. Il m'en manque 43, je crois, hein, des cartes sur cette collection. Donc on va essayer de s'en faire pas mal, quoi. Honnêtement. 43, c'est beaucoup, hein. En vrai, c'est beaucoup sur 108 seulement. J'arrive pas à l'ouvrir celui-ci. Attendez. Ok. Donc là, je crois que j'en ai un que j'ai pas. Il est vraiment beau. C'est un brillant. Je vais le séparer en 2. Alors, on va se commencer par la partie de gauche avec le numéro 87. Le collectionneur, je ne connais pas. Et le Courage plus 3, numéro 97. Regardez le collectionneur. Bah, c'est moi, hein, le collectionneur, clairement. On se collectionne des cartes. Le collectionneur. Et franchement, je ne le connais pas hein, dans les Marvel, lui. Qu'est-ce qu'il fait le collectionneur? Il collectionne des âmes, il collectionne des. Collectionne. Je sais pas. Je ne sais pas me dire. Bon, le Ant-Man, numéro 37, Ant-Man ici, avec le numéro 11, Killmonger. Donc le Ant-Man, il est plutôt stylé parce qu'il a un côté brillant. Ici, où tu frottes là. Un peu comme le Groot que j'avais dans les précédentes vidéos. Et on voit pas bien en fait le côté brillant en vidéo, c'est dommage. On le voit pas bien, on le voit pas en fait. Désolé, hein, je ne peux pas pouvoir vous montrer mieux, mais voilà. Alors, on enchaîne directement du coup, aïe, hop là, sur une cinquième pochette, je crois. Avec un Groot encore ici, un petit Groot là. Le petit Groot numéro 49 avec le Courage plus 2 numéro 103. Petit Groot là, en grand, hein. Là il est grand. Pas mal le petit Groot là. Et on enchaîne avec le deuxième, avec un Vantour numéro 64 et un Venom numéro 35. Le petit Vantour que j'ai pas encore. Je vous montre. Oh mais ça me fume mes cheveux. Hein. Mais ça me fume mes cheveux. Mais putain. Ok, Thor en doublon du coup ici. Qu'on vient d'avoir juste avant. Avec un Doctor Strange numéro 39. Et Thor le numéro 57. Pas mal. Donc Doctor Strange ici avec Thor à ma gauche. Ok. Et du coup ici on enchaîne avec un Courage plus 2 numéro 103 et un Dormammu apparemment numéro 87. Dormammu. Connais pas. Il y a vraiment beaucoup de personnages hein, maintenant dans les Marvel que la moitié je connais pas. Donc là on arrive déjà à la moitié. Donc on est au sixième. Donc plus de la moitié même. Alors,
putain. Alors, on a un des doublons ici, hein. Avec un courage plus 3, numéro 97, et un Ai Weiwei. Lui, c'est le mec qui tombe tout le temps, frère. Je l'ai en 4 fois déjà. Donc, courage plus 3, on l'a eu avant. Et le Hank Weiwei, je sais toujours pas dire son nom. Et ici, oh, le côté brillant, encore une fois, avec la Captain Marvel ici. Le numéro 77. Et le courage. Non, puissance plus 2, pardon, avec la main de Hulk, hein, clairement. Numéro 44. Elle est belle, hein. Regardez-moi comme elle est belle. Mais on voit pas le côté brillant que je vous parle depuis avant. Où tu frottes comme ça, tu sens une petite. Un petit truc, quoi. On enchaîne du coup avec le numéro. Merde, avec la 7ème pochette, pardon. Putain, je galère à ouvrir ces merdes. Du coup, on arrive avec un Doc Maru, encore une fois, en doublon, avec une couère, en numéro 20. La couère que j'ai pas encore. Hein. Non, la couèque, pardon. La couèque. Après, on arrive sur Miss Hulk, numéro 41, et Spider Girls, numéro 29. Pas mal. Pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, on arrive sur la 8ème pochette déjà. Il n'en restera plus que deux après celle-ci. Alors, allez. Hop là. Alors, on a du Doctor Strange numéro 39 avec un Nova numéro 94. Nova, je l'ai pas, je crois. Plutôt stylé avec le Doctor Strange à côté. Et après, on arrive sur un Black Panther numéro 10 avec un pot. Un brillant en vrai, brillant. Mais pas la même truc brillant qu'avant, tu vois. Et un petit Hulk numéro 74 qui s'énerve un peu. Voilà. Les deux sont vraiment beaux. On arrive sur la 9ème pochette, donc l'avant-dernière déjà, hein. Ça va vite. Hein. Combien de minutes là? Je suis à 6 minutes de vidéo. Ouais, ah ouais, 10 pochettes, c'est vraiment court en fait. Je fais assez vite, hein, du coup. Alors, oh putain, j'ai un double Loki là dans cette pochette, mais c'est pas les mêmes. C'est numéro 40 et 58. Ça me termine deux Loki. Donc Loki et Doctor Strange 39. Le 39, le Doctor Strange, ça fait 3 fois que je l'ai, je crois. Et le petit Loki à côté. Donc 58, et là encore une fois un Spider-Ham, et pas un Spider-Man comme je disais à chaque fois dans la première vidéo. Spider-Ham avec un H. Ham. Voilà. Et un Loki, du coup, encore une fois, en numéro 40. Voilà, et on enchaîne du coup sur la dernière pochette déjà. Mais je vais trop vite en fait. Il faudrait que je prenne plus le temps. Mais on va se faire un petit récap et tout, donc ça va augmenter un peu. Donc. Captain Marvel en numéro 56, donc c'est pas la même qu'avant. Et Drax numéro 83. Voilà. Ici, on se fait un petit récap. Ok. Et on se finit avec un Intelligence plus 1 et une Querelle Kirel Girls en 63. Ici. Okay. Voilà. Petit récap. En vrai, petit récap, mais en même temps, je les ouvre comme ça. Au moins, je peux pouvoir vous dire combien. Alors, là, 56. Captain Marvel ici, 56. Après, on a un Drax 83, le numéro. Un Drax ici, 83. Ok. Après, on arrive avec un Spider-Ham, le numéro 34, le Ham, H-A-M. Magnifique, donc c'est un 34. On arrive avec un Loki, ici, numéro 40. Le Spider avec un petit Loki. Le 40. Si je vous montre une par une, peut-être vous allez un peu mieux voir. Je sais pas en vrai. On arrive avec un Loki encore une fois. Enfin, c'était la même pochette où il y avait deux Loki différents. Donc celui-là, c'est Loki aussi, mais en 58, le numéro 58. Voilà. Ok. On arrivait aussi avec un Doctor Strange, le numéro 39, ici. Voilà. Je vous remonte une par une du coup. Voilà. Du coup, numéro 39 que je vais mettre avec Spider-Man. Après, on arrivait avec la carte la plus belle, je pense, que je viens d'avoir aujourd'hui. La Black Panther, la numéro 10. Brillance un peu. Là, on voit un peu plus la brillance, regardez. On voit un peu plus quand je fais ça. C'est vraiment stylé. Donc, Black Panther numéro 10. Avec Hulk sur la pochette, on avait eu du coup le numéro 74, Hulk. Oh, fait peur. Ici. Après, on arrivait avec la petite Nova 94. Le petit Nova, du coup. 94. Je vous remontre. Magnifique.
Après, il y avait du coup Doctor Strange qu'on a eu juste avant. Donc, je vous la remonte pas, le numéro 39. Je vais le mettre de côté. Miss Hulk 41. Ici, on avait eu avec du coup Miss Hulk. Je vous la montre un peu mieux. Voilà, vraiment belle. Voilà. Donc, la 41 ici, du coup. On avait eu du coup aussi Spider Girls en numéro 29 ici. Magnifique. Donc, la numéro 29. Est-ce que je l'avais pas déjà avant? Non. Je les classe par numérotation, hein, si vous voulez savoir. Donc là, on a eu un Dormammu, pardon. Putain, je l'ai fait tomber comme un con. Dormammu numéro 96. Que je vais mettre du coup avec le 94. On avait eu Quack. La numéro 20. Quack. Plutôt stylé aussi. Numéro 20. Hop là. On avait eu Captain America, la numéro 77. Ici même. Vraiment belle. Mais on ne voit pas le côté brillant. Du coup, je ne vous montre pas plus que ça. On avait eu un puissance plus 2 avec le point de Hulk, la numéro 44. Voilà. On avait eu Ike Wewe. Du coup, lui, on le voit tous les jours. Du coup, je ne vous le montre pas. Le numéro 6. Je viens de détruire sa carte. Mais bon, vu qu'on l'a beaucoup de fois, on s'en fout. 97, le courage plus 3 avec l'étoile. Je vous la remonte parce qu'elle est vraiment stylée. Voilà. Donc la 97. Ok. On avait eu un courage plus 2, la numéro 103, avec Black Panther. Voilà. Black Panther est vachement mis en avant quand même, hein. Dormammu, que je vous ai montré juste avant, donc je ne vous la remontre pas. Un Thor numéro 57 ici. Plutôt sympa avec le côté brillant, encore une fois, regardez. Magnifique. Donc le 57. Docteur Strange que j'ai eu trois fois sur cet épisode-là de vidéo. Donc je l'ai eu trois fois. C'est ouf. Le petit Venom 60, non, 35, pardon, que je vais vous montrer encore une fois. Donc là, Venom 35. Je vous montre un peu plus. Voilà. Le numéro 35. Le petit vantour, donc l'oiseau, hein, clairement. Avec le vantour, vraiment stylé. Je vous montre un peu de plus près si vous voulez. On voit pas trop bien en vrai. Mais le numéro 64. Merde, les 60, je les ai mis où? Donc je sais pas. On enchaîne du coup avec le petit Groot 49 ici. Vraiment beau. Voilà, le numéro 49. On avait eu la puissance de courage que je vous ai montré juste avant. Du coup, je vous la remontre pas pour faire plus vite. Le numéro 37 Ant-Man que je trouve stylé. Le côté brillant aussi que vous n'allez pas voir sur la vidéo. Donc 37. Bam. On a eu Killmonger, le numéro 11. Pareil, plutôt stylé. Mais les cartes, elles se niquent facile, hein. Putain, c'est dommage. Mais bon. Numéro 11, on a eu le collectionneur, le numéro 87. Vraiment stylé aussi. Collectionneur avec ses cheveux blancs. Donc le numéro 87. Le petit courage plus 3 avec l'étoile que je vous ai montré avant. Du coup, je ne vous la remonte pas. Il me reste combien de pochettes à montrer? 5. Donc Black Panther, le numéro 108. Donc la dernière carte de la collection. Voilà, le plus 3 intelligence. Voilà. On a eu un Docteur Octopus aussi en numéro 68. Voilà. Octopus. Vraiment stylé. Le numéro 68 du coup. J'ai mis les 60 ici. La numéro 12 du coup, Shuri ici. La petite Shuri. La numéro 11, 12, pardon. Le Loki 40. J'ai eu trois Loki différents du coup. Numéro 40, Loki. Je sais pas si je vous l'ai montré. Je crois. Hein. Je vous l'ai déjà montré ou pas? Numéro 40. Ah oui, je vous ai déjà montré, pardon. Du coup, on se finit avec un Ego 88. Un numéro 88 Ego que j'ai pas. Qui est vraiment stylé aussi. Ego. Voilà. Du coup, le 88.
Thor, Brillance, que je vous ai montré juste avant, du coup je vous la remonte pas. Après, on se finit avec un Black Widow numéro 60 ici, qui est sympa. La numéro 60. Une petite 92 Valkyrie ici, la numéro 92, qui est ma foi stylée aussi. Hein. Une petite blonde là qu'on aime bien. Hein. Du coup, la numéro 92. Ok. Et on avait fini avec du coup l'abeille. Comment elle s'appelle l'abeille? Je sais plus, mais voilà. Petite abeille ici avec l'intelligence plus 1 avec la Bayo. Voilà. Donc la numéro 27. Et on se finit avec la numéro 63 Quirrell Girls. Ok. Ici avec la Quirrell Girls numéro 63. Du coup, voilà. Petit récap. Du coup, alors attendez, je vais voir. Tac, tac, tac. On les prend dans l'ordre. Donc là, les 10, les 20. Alors attends, les 20, après les 30, les 40, les 50, les 60, les 70. Merde, attends. J'ai pris les 80, je suis con. Les 60, les 70, les 80, les 90 et les 100. Du coup, sur les 40 que je viens d'ouvrir, j'ai eu 7 doubles et du coup 33 que j'avais peut-être pas. Voilà, bon, je vais pas les mettre dans le classeur avec vous parce que ça va être long, mais je pense que j'en ai une 20, 25 que j'ai pas, je pense, sur les 37 actuellement là que je viens d'avoir ici. Enfin, les 33, pardon. Donc voilà. Voilà. Bref, je vous laisse là-dessus les petits potes. J'espère que ça vous a plu. J'ai un peu prolongé en vous remontrer un par un. Je sais pas si ça vous aime, si vous aimez bien que je vous montre un par un de nouveau. Je sais pas si ça vous fait kiffer. Bref, je vous laisse là-dessus. On se retrouve du coup demain ou tout à l'heure hein, pour le live. Hein, comme d'hab, hein, tous les 2 jours ou tous les jours plus ou moins, il y a un live. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre tout le temps hein, pour me suivre un peu. Ça fait plaisir d'avoir un peu de soutien. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, qu'on continue à monter en abonnés. Et me suivre sur les réseaux, Instagram, Snapchat, si vous me parlez intimement aussi. Ou Discord, le plus intéressant, pour participer au giveaway des 20 balles chaque semaine aussi. Donc c'est sympa. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et on se dit à la prochaine. Ciao!